Session, attention, il faut prendre le shoot de seconde. Okay. Bon, il y a Maurice Akier qui se passe avec toi. Akier avec la planche. Faire un petit effort, Jérôme Sanchez. C'est Benoît qui remporte son troisième carton. Jérôme Sanchez qui prend sa chance à 3 points. Et là, il se fait Jérôme Sanchez qui va attaquer le cercle. C'est bien fait de la part de Jérôme. Bon, on va avoir une bonne place pour le shoot. Ouais, j'essaie de rentrer tout le temps dans la dureté et après j'essaie de prendre ce que je m'amène et voilà, ça se passe bien. Ça fait peur dans le troisième quart-temps et même au début du quatrième, mais après on a essayé de se remettre la tête à l'endroit et de se dire que bah, on est devant, on n'a pas de pression à avoir, la défense tient, parce que depuis le début de saison on a une super défense et il faut que ça continue comme ça. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on se lâche en attaque, il y avait vu que la défense tient. Donc. On est toujours dans une phase plutôt victorieuse. Néanmoins, je pense qu'il faut absolument qu'on enlève un petit peu la pression, qu'on se met, je ne sais pas pourquoi, sur les retours de mi-temps, quand on est à peu près confortable, qui nous empêche de jouer. Et on a répondu présent, physiquement et dans la volonté. Donc, une belle soirée de basket. Claire, ça fait du bien de gagner pour mon premier match. Et ben voilà, ça fait 5 victoires de suite avec la Coupe de France, donc j'espère que ça va continuer.